Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Semaine des mathématiques, jeudi 16 mars 2018, quatrième vidéo de notre série. Aujourd'hui, nous allons faire des marches aléatoires, donc toujours dans le mouvement, et on va faire donc des programmes sur le logiciel Scratch. Donc ici, on va utiliser différents scénarios pour illustrer ce qu'est le phénomène des marches aléatoires. Alors, premier problème, donc nous avons donc 100 euros à miser en bourse. Chaque seconde, le cours de la bourse baisse ou augmente de 1 aléatoirement. Donc au bout d'une minute, on peut récupérer notre mise qui correspond au cours de la bourse après 60 secondes. Donc ici, on va démarrer à 100. On va chaque seconde ajouter 1 ou retrancher 1 aléatoirement au cours. Et donc après 60 secondes, donc après 60 tirages, on va pouvoir récupérer donc notre mise. Alors sur Scratch, donc on va d'abord cliquer sur le drapeau et on va aller, donc on va rester en x est égal à 0. Donc on va ici stylo, effacer tout, lever le stylo, on va à 0. On va mettre notre stylo donc en rouge, on va mettre en noir même, voilà, donc on va mettre en noir, et ensuite on va tirer au sort donc une variable, donc tirage, bien entendu on va mettre tirage, alors on va ici, on a 240 en x, 240 en x, donc on va faire 60, 60, 240 divisé par 60 ça va faire, donc 240 divisé par 60 ça fait 4, donc on va faire 4, déplacer 4 horizontalement chaque seconde. Donc ici on va pouvoir mettre tant que, donc jusque, respecter jusqu'à, donc opérateur, abscisse x et égal à 240, abscisse égal à 240. On va s'occuper juste des de la partie droite pour laisser un peu de place pour les variables qu'on va mettre tout à l'heure. Donc répéter jusqu'à abscisse x égale à 240. Mettre tirage donc à nombre aléatoire, opérateur, nombre aléatoire entre 0 et 1. Et ensuite on va tester. Donc si tirage, donc si tirage est égal à tirage égal à 0, alors on va descendre. Donc on va ajouter à la valeur x4, à la valeur y. Alors ici on a 180, moins 180, on veut donc moins 60, donc on va dire moins 3. 180, moins 180, donc on a 360. Alors ici on va pouvoir mettre le stylo en rouge, on va dire que c'est une baisse, mettre le stylo en rouge, voilà, et sinon on peut dupliquer, si on peut dupliquer aussi, hop, voilà, là on va mettre plus 6, donc, ah oui, mais non. Alors, hop, on va supprimer ici, ici. Donc, on va plutôt mettre ajouter. Ajouter. Quand x et y, ajouter. Donc, on va ajouter 4 à x et moins 6 à y. On va pouvoir ensuite copier. Dupliquer. Donc, là, on va ajouter 6. Donc voilà. Alors bien entendu, on pourrait stylo en position d'écriture. Hop. Voilà. Donc ici, hop. Voilà. Donc
voyez, on a donc les cours. Alors maintenant, il faudrait savoir, alors déjà peut-être aussi tracer la limite haute et la limite basse, donc c'est-à-dire la limite supérieure à 100 et la limite inférieure à 100. Glisser, glisser ici entre donc 240 et 0 et glisser en 0, 0. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc ici, on va mettre donc la mise, donc donner, donc capital, on va mettre capital. Capital qui va être mettre capital en haut, donc on va le mettre à 100. Et donc à la fin, on va donc ajouter à capital. Donc on va ajouter Y. On va ajouter Y. Alors bien entendu, diviser. Donc Y divisé par 6. C'est-à-dire que quand on baisse de 6, en fait on baisse de 1. Donc la mise baisse, voilà, le cours baisse de 1. Donc ici, ordonnée Y divisé par 6. Et bien entendu, donc on arrive à 100. Hop. Et donc là, on était à 6, 94. Alors, bien entendu, alors, dans l'énoncé, ici, l'énoncé nous disait dans chaque seconde, pour aller plus vite, on va pas mettre attendre chaque seconde pour avoir le cours, sinon ça ferait 1 minute par tour. Donc, pour être plus rapide, on laisse le programme tracer rapidement le cours. Alors, question ouverte, quelle est la probabilité pour que notre capital de départ 100 euros double au bout de la énième minute, donc au bout de la énième partie? Et ensuite, quelle est la probabilité de tout perdre? Alors, on va ici ajouter, mettre, donc on va ajouter ici minute. Donc mettre minute à 0. Et donc, on va répéter tout ça, répéter jusqu'à ce que donc l'opérateur supérieur capital soit supérieur à 200. Voilà, et on va incrémenter à chaque fois le nombre de minutes. Donc ici, ajouter minute à 1, etc., etc. Ou alors, bien entendu, capital ici égal à 200. Alors, on va tester. Voilà, c'est parti. Voilà, au bout de la 60e minute, vous voyez que le capital est de 86. Donc en fait, ici, on n'a pas réussi à doubler le capital, on n'a même pas réussi à tout perdre aussi, et on a perdu en fait 14 euros. Alors, pourquoi cette faible variation de gain entre donc là, donc vous avez peut-être vu hein, dans le, tout l'animation, toute l'animation, eh bien vous avez peut-être vu que le capital est resté entre 70 et 120. Alors pourquoi cela? Parce que ici, l'espérance de gain, dans ce cas-là, est très faible, elle est même nulle. Alors maintenant, deuxième problème, donc on va faire un système de mise. Donc on va miser x euros entre x entre 0 et 60, et si le capital est inférieur à 60, donc c'est 0x et c'est. Alors le cours de bourse démarre à 100 et chaque seconde elle baisse, augmente de 1 aléatoirement. Donc le cours de la bourse est supérieur à 100 plus x, on récupère le double de la mise, sinon on perd la mise. Comment on va pouvoir adapter
ce programme. Alors ici, on va plutôt mettre, alors on va faire 10 parties, donc c'est pour ça qu'on va faire répéter 10 fois. Voilà, donc ici, on n'aura pas besoin de ça. On aura besoin de ça. Hop, ça, allez, ça, il faut. Donc minute, on peut supprimer. Voilà, on va pouvoir mettre une variable mise. Créer une variable mise. Donc répéter 10 fois. Donc on va. Donc on va demander la valeur de mise. Ensuite, on va mettre mise A. Donc la réponse. Capteur réponse. Voilà. Et donc maintenant, on va effacer tout. Donc on va répéter donc la procédure qu'on a fait là précédemment. Donc la mise, bien entendu, ah oui, il faudrait dire, il faut tester la réponse avant de ça. Donc ici, contrôle, on peut dire jusqu'à répéter jusqu'à. Donc jusqu'à opérateur. Donc réponse inférieure à 60, ou on va répéter jusqu'à réponse supérieure à 60, ou alors réponse inférieure à capital. Donc hop, on va copier ça. Cliquer, non. Voilà. Supprimer. Ensuite mettre mise à réponse, etc., etc. Alors, donc, quand on a terminé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tester si, donc, si le capital, donc si y divisé par 6 est inférieur à 100 moins la mise, donc y divisé par 6 est inférieur à 100 moins, donc si on a ça, eh bien on va ajouter à capital, donc on va ajouter moins mise, 0 moins mise, ou sinon on va ajouter à capital, dupliquer, donc on va ajouter à capital ici. Opérateur, deux fois la, donc deux fois la mise. Alors on va tester. Voilà, on va tester. Alors, valeur de mise, on va mettre 5 par exemple. Donc ici, c'était. Alors on aimerait bien voir le cours. Donc on va peut-être mettre cours, voilà, et donc cours, ça va être ici, donc enfin cours, ça va être égal à y dupliqué y divisé par 6. Donc ici valeur mise, on va mettre 5, donc le cours est de 6, donc on a. Alors ici, alors petit problème ici, on va plutôt mettre, donc en fait ici c'était mise, donc retest, donc 5 ici, donc là on a 5, on peut mettre 5 aussi. On est à la baisse, on va perdre 5. Ok, etc., etc. On peut mettre 2. Alors, on va peut mettre 100. Donc ici, quand je vais mis 100, ça ne va pas. Alors, ça veut dire que celui-ci n'est pas
Bon, dupliquer. Donc ici, il faudrait mettre et en fait. Alors supprimer. Hop. Alors retest. Si on met 100, ça marche pas. 5. Alors par contre, 5, ça marche pas. Bon, on va oublier cette histoire de conditions. Donc voilà pour ce qui était des cours de la bourse avec mise. Donc il y aura peut-être quelques modifications à faire pour les conditions de validité de la réponse de valeur de mise. Donc peut-être en exercice pour vous. Et donc on va passer maintenant au troisième scénario. Troisième scénario, chasse au trésor. Donc on est sur un quadrillage à coordonnées entières. Donc c'est-à-dire un quadrillage avec des points d'intersection en coordonnées entières. Et notre ami a placé un trésor au point de coordonnées 6, 4. Donc le but est donc d'être sur sur la position du trésor à la fin donc des 10 minutes, parce que 6 plus 4 égale à 10. Donc à chaque minute, on se déplace soit de 1 horizontal ou 1 verticalement, et cela de manière aléatoire. Alors sur Scratch, on va... Donc déjà de tracer un quadrillage 10 x 10. Donc ici, on va mettre... Donc il y a 180. 180, 0 et 240. Donc on va aller de 10 en 10. Donc par exemple, donc ici, on va d'abord mettre le stylo, effacer tout. On va stylo position d'écriture, donc on va la mettre à 0, 0, aller en 0, 0. Stylo position d'écriture. Donc répéter 10 fois. Répéter 10 fois. Donc ajouter 100 à x. Ensuite, ajouter 10 à y et ajouter moins 100 quand le drapeau est cliqué. Alors, il faudrait ajouter 10 à y. Et on peut le répéter 5 fois. Mouvement, hors stylo, lever le stylo et stylo en position d'écriture. On va tester. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il ne reste plus qu'à aller ajouter 100 à Y. Donc stylo en position d'écriture, ajouter 100. Voilà, donc ça nous donne ceci. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais pour Y. Dupliquer. Ajouter moins 100 à Y. On commence ici. Moins 100 à Y. Ensuite, on va ajouter moins 10 à X. Donc on va aller là, ici. Ensuite, ajouter 100 à y et ajouter moins 10 à x. Et donc ici, on va ajouter, alors si on verra ce que ça donne. Et on va relever le stylo ici. Et donc, on est ici normalement, donc il ne reste plus qu'à ajouter moins 100 à y. Moins 100 à y. Donc on a ici un quadrillage. Voilà. Donc on va maintenant partir de 0, 0. Donc on va lever le stylo. Lever le stylo. On va ajouter 10 à l'intensité, aller à 0, 0.
Alors, ce qu'on va faire, donc on va mettre donc ici ajouter 10 à l'intensité, et on va aussi mettre donc rouge pour voir où on en est. Donc on va aller à voilà, aller à 0, 0. Et donc on va tirer, donc on va répéter 10 fois parce qu'on veut aller en donc à 6, 4 en 10 coups, en 10 minutes. Donc on va mettre un tirage, créer une variable tirage. Mettre tirage nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc ici mettre le stylo en noir. On va mettre en gris. On va mettre l'intensité du stylo en 50. On va voir ce que ça donne. Comme ça. Et mettre l'intensité en 50. Voilà. Donc mettre le tirage aléatoire entre 0 et 1. Si le tirage est égal à 1, ou si le tirage est égal à 0, si tirage est égal à 0, alors on va avancer, on va ajouter 10 à x, ou sinon ajouter 10 à y. Et donc ça nous donne ceci. Stylo en position d'écriture. Hop, voilà. On va répéter 11 fois. Ah oui. Relever le stylo. Voilà. Tac. Donc voilà. Donc ici, on est arrivé. Alors je vais peut-être mettre en plus grand. Voilà. Donc là, on est arrivé à 1, 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, donc, ici, on va mettre plutôt 10 fois. Voilà, c'est plutôt 10 fois. Et donc, on va tester si on est arrivé au trésor ou pas. Donc, ici, si opérateur. Alors, si. Hop. Donc, le trésor se trouve en 6, 4. Donc, si. Mouvement x est égal à 6 et y est égal à 4. Alors j'ai oublié de mettre, donc c'est si et sinon. Donc ici, hop, on va mettre comme ça et hop, on va le déplacer, supprimer. Donc si x est égal à 6 et y est égal à 4, alors. Donc on va pouvoir dire pendant 5 secondes, tu as trouvé le trésor. Tu as trouvé le trésor. Ou sinon, alors ce qu'on peut faire aussi, c'est on va mettre apps x et ordonnée y. Donc à la fin, on pourrait mettre donc apps x est égal à x. Et ordonnée y est égal à y. Voilà. Sinon, dupliquer. Tu n'as pas trouvé le trésor. Pas trouvé le trésor. Essaie encore. Voilà. Donc, on va pouvoir faire ça. On va pouvoir mettre en plus grand. Et c'est parti. Voilà. Alors, ici, on aurait pu mettre divisé par 10. Donc ici, apps x, ordonnée y, donc il faut diviser par 10. Opérateur, apps x divisé par 10. Apps, ordonnée du y, divisé par 10. Quatre, 6. C'est aussi 4, 6. 6, 4, là on a trouvé le trésor. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne trouve pas. Peut-être qu'il faut montrer. Hop. Donc on va mettre comme ça sera mieux. Voilà. Et donc, ici,
Si on met un plus grand. Va montrer le lutin au dernier moment, je pense. Donc ici, montrer. Montrer ici. On va essayer, cacher. On peut cacher ici. Voilà, ok, c'est mieux. Voilà, donc si on met en plus grand, hop. Donc on peut s'amuser à trouver. Et donc, la question qu'on peut se poser ici, après avoir fait de nombreux essais, et ça donc ce sera pour des niveaux terminal, seconde au lycée, vous pourrez poser la question, quelle est la probabilité qu'au bout de la 10e minute, nous serons à l'emplacement du trésor? Et donc, petite liste ouverte, si vous voulez la résoudre, vous pouvez poster vos réponses, vos raisonnements en commentaire de cette vidéo.